Waouh, regardez dans le monde dans lequel nous sommes. Ça a l'air joli et rempli de beaucoup d'avantages, d'opportunités. Regardez même tout ça. Waouh. Ma frère, aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Dites-moi. Dites-moi très bien. Répondez à ces questions. Si tout de suite on vous demande de gifler votre fiancé ou bien votre femme, juste pour avoir un iPhone, l'accepterez-vous? Ah! Au bout de moi, de gifler une fausse femme juste pour avoir un iPhone 11. Et puis, c'est un iPhone 11. C'est une vidéo que je viens de voir sur Internet. Et cette vidéo-là fait le buzz. C'est un truc hors du commun quand même. Et moi, j'aimerais réagir par rapport à ça. J'aimerais réagir ça pour voir ce que vous vous en pensez quand même. Ah! Que feriez-vous? Le iPhone 11 est sorti, il coûte cher, très cher, plus de 1000 euros, hein? Plus de 1000 euros, il y a certains qui vont jusqu'à 1300 euros, 1600 et quelques. Bon, allez, j'ai un coup d'œil sur le prix, mais c'est un appareil qui est vraiment cher. Si on vous demande de gifler votre femme, ne serait-ce que pour avoir cet appareil, que feriez-vous? Que feriez-vous? L'accepteriez-vous? C'est un truc de ouf, un truc de ouf. Ah! Et moi j'ai vu des gens qui étaient face à cette proposition. Ces gens devaient faire un choix. Ou prendre une décision tout de suite. Mais ils ne devaient pas prendre la décision seule parce que c'était un couple. Ils étaient face à un couple. Ah! Ça c'est hallucinant. Je pose des questions. Hein? Je pose des questions. C'est un truc de ouf, un truc de ouf. Qu'est-ce que j'ai vu? Je vais tout vous dire, papa, ce que moi j'ai vu. Moi j'ai vu un couple. On a posé cette question. Pouvez-vous gifler? Ils ont posé la question même à l'homme. Est-ce que tu peux gifler ta femme juste pour un iPhone? C'est-à-dire le iPhone qui se tient dans ma main. La personne se trouvait avec un iPhone dans sa main et posait cette question-là à ce couple. Et imaginez la réponse. Cet homme a dit, franchement, ma femme, je l'aime beaucoup. Je ne peux pas lui faire ça. Même si c'est pour un iPhone que tu amènes dans la main, tu ne peux pas me rendre. Je suis désolé. La première personne a refusé. Mais par la suite, on a vu un autre couple. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer maintenant? Ce couple a décidé de s'entendre. Et l'homme et la femme se sont entendus. La femme, elle a dit, ok, il n'y a pas de souci, tu me gifles. Et on prend le iPhone. Ah! Et les deux se sont vraiment entendus. Hein? Et le monsieur a giflé sérieusement la femme. Et voici comment le couple a gagné le iPhone. Maintenant, le couple a gagné le iPhone 11. C'est bien évidemment, la femme a eu aussi un choc. Qu'est-ce que le monsieur maintenant va-t-il faire? Il va maintenant pour caresser le visage de sa femme. Oh, quelle preuve d'amour! Ah! Et celui-là même qui a fait le jeu, il a dit vraiment, on n'a jamais vu un couple comme ça. Un couple qui se soutiennent même dans de telles situations. C'est un truc hors du commun. Et des gens mais étaient prêts même à recevoir des paires de chiffres juste pour recevoir le tout nouveau iPhone 11. La vie est dure. La vie est dure. Je n'imaginais pas ce que les gens sont faits de faire juste pour les choses de ce monde. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Ah, c'est ce que ce jeune homme m'a dit. Il a dit, mais je n'imaginais pas que les gens étaient prêts à faire autant de choses juste pour un iPhone. Ça, c'est un truc hors du commun quand même. Maintenant, dites-moi, est-ce que vous accepterez cette proposition? Merci d'apporter vos commentaires. Ça m'intéresse. C'est parti pour la prochaine vidéo. Waouh. Extraordinaire.